du sang dans la vallée, écrit par Pierre Benoît et Bernard Soulier, vous trouverez la véritable histoire de la bête du Gévaudan, et je dirais même des bêtes du Gévaudan, parce qu'il y a eu deux loups de tués entre les années 1765 et 1767. Un qui a été expédié à Louis XV, qui a été disséqué et autopsié, si on peut dire, par un taxidermiste de Clermont-Ferrand, et un autre qui a été tué à Auvers et qui a été disséqué, lui, par Maître Marin, dont le rapport bien connu maintenant traîne sur Internet, et qui explique comment étaient structurées ces bêtes, qui étaient des loups hybrides vraisemblablement, et qui ont quand même tué pas loin de 80 enfants et jeunes femmes, pas chères ou bergères, à l'époque.